Après la fin de la première sphère d'expansion, l'Empire Tau consacra les 50 années suivantes à regarnir ses armées disséminées et à renforcer sa puissance industrielle pour se préparer à la prochaine sphère d'expansion. La caste de l'eau chercha à résoudre le problème du sous-peuplement en mettant à contribution leurs vassaux extraterrestres. Les Anthrazodes, des êtres primitifs mais robustes, furent employés comme mineurs, tandis que les Brachuria, de frêles crustacés dotés de membres habiles, assistèrent la caste de la Terre dans l'assemblage des générateurs à plasma. L'alliance avec les Croods se révéla déterminante pour la caste du feu, car ses rangs furent consolidés par l'arrivée de milliards de guerriers prêts à défendre le bien suprême, même si leur motivation était malheureusement davantage guidée par la recherche du gain que par l'altruisme. Seule la caste de la Terre ne parvint pas à remplir ses objectifs, dont le plus important était de développer une technologie capable d'accélérer considérablement les voyages spatiaux. Finalement, avec du retard, le sceptre de Falchia présenta au Haut Conseil des Éthérés le moteur à accélération Horizon ZFR, qui, une fois installé sur leur vaisseau, leur permettrait d'atteindre des vitesses frôlant celles de la lumière. Une fois que leurs flottes furent dotées du nouveau système de propulsion, l'éthéré suprême Onway annonça en 018.M39 le début de la deuxième sphère d'expansion. Suite à son discours, d'immenses armadas décollèrent de tous les sept majeurs de la première sphère et s'élancèrent dans l'espace, avec pour mission d'établir de nouveaux domaines au nom du bien suprême. Le premier grand succès survint en 053.M39 lorsque la planète Vespide fut intégrée au sept de Dianoï. En raison de la complexité de la langue des Vespides, au début la caste de l'eau ne réussit qu'à conclure des accords commerciaux portant sur leurs cristaux, qui constituent la base de la plupart de leurs technologies de pointe. Les éthérés résolurent ce problème en demandant aux ingénieurs et aux scientifiques de concevoir un appareil facilitant la communication entre les deux races, et c'est ainsi que naquit l'homme de communion. Lorsque les chefs Vespides utilisèrent ces appareils, ils devinrent soudainement conciliants et acceptèrent de rejoindre l'Empire pour œuvrer au nom du bien suprême. En 383.M39, le monde de Endra se fut colonisé et désigné comme planète primordiale d'un nouveau sept, bien que la caste de la Terre ait émis des réserves à cause de certaines anomalies inexpliquées. Cependant, quelques années plus tard, et pour des raisons connues uniquement des éthérés, la majeure partie de la population fut évacuée, ne laissant derrière elle que les scientifiques et une importante force militaire. En 576.M39, grâce aux avancées dans le domaine des moteurs antigraves et à la technologie novatrice des exoarmures avec les prototypes de la série T, le monde de Tajvar fut annexé pour devenir le centre d'un nouveau sept. Par la suite, la planète devint célèbre pour former les meilleures équipes de brécheurs ainsi que les pilotes d'élite de Razor Shark, en partie en raison des multiples attaques de bandes orques et de pirates. En 876.M39, suite aux raids perpétrés par un ennemi inconnu contre les nouvelles colonies du sept de Kelshan, les forces Tau lancèrent une offensive et détruisirent par erreur l'île Arzus, un monde vierge Eldar pensant qu'il s'agissait de la base d'opération des pillards. En représailles, le vaisseau Mandy Anden attaqua Kame, réduisant une grande partie de la planète en ruine. Toutefois, les Tau tinrent bon et parvinrent même à effectuer des contre-attaques. Ils réussirent notamment à récupérer des épaves de garde fantômes qui suscitèrent l'intérêt des ingénieurs de la caste de la Terre. Ce conflit dura plusieurs semaines, jusqu'à ce que les deux camps découvrent que l'incursion initiale sur Kelshan avait en réalité été orchestrée par un Drukhari du nom d'Andros Klax. Suite à cette révélation, les Azuriani du vaisseau Mandy Anden quittèrent Kame pour poursuivre Klax. Malheureusement, cette guerre entre l'Empire Tau et les Azuriani eut un impact considérable sur leurs relations, qui se détériorèrent significativement. En 600.M40, le sept Viorla fut envahi par une gigantesque flotte orque dirigée par le boss de guerre Garskrak, qui fut vaincu suite à une stratégie audacieuse. Chaque année, la planète traverse une trouée entre ces deux étoiles où celle-ci est ravagée par des tempêtes de plasma, une période appelée le jugement du feu, et pour y survivre, les Tau déploient d'immenses dômes qui recouvrent leur cité. L'arrivée de la WAG coïncida parfaitement avec le jugement du feu, et une fois qu'ils débarquèrent sur le monde, des équipes de cibleurs parvinrent à tirer les orques en plein milieu de l'ouragan qui les anéantirent.
En 896.40, Poro Dalit Ketui Luitan, plus connu sous le nom de l'ambassadeur d'or, éminent émissaire de la caste de l'eau, réussit à introduire les Traxiens, les Grits et les Formosiens au sein de l'Empire Tau. Tandis que les Rhodes et les Arachènes refusèrent ses propositions et furent expulsés des territoires de l'Empire. En 651.41, naquit dans le sceptre de Dalit le commandeur Purtide, qui devint une légende au sein de la caste du feu grâce à son génie et ses stratégies militaires. Grâce à ses campagnes, une demi-douzaine de systèmes furent intégrés à l'Empire. Les sceptres de la deuxième sphère, tels qu'Elsier et Tajvar, doivent leur existence aux stratégies de Purtide, et ce furent ces contre-attaques qui repoussèrent les invasions orques du sceptre d'Otal. Selon certaines archives, les orques finirent même par haïr Purtide, car ses forces leur ôtaient la joie du combat en employant des tactiques d'attaque et de repli. La deuxième sphère d'expansion accomplit sa dernière avancée notable en traversant le golfe de Damoclès, une région située à l'est de la galaxie où les turbulences avaient empêché jusqu'alors toute progression vers l'autre côté. Une fois franchis, les Tau établirent des colonies et des avant-postes, et ne tardèrent pas à rencontrer la plus grande puissance de la Voie lactée, l'Impérium de l'humanité. Le premier contact entre l'Empire et les humains ne se fit pas avec l'Impérium proprement dit, mais avec des factions dissidentes se trouvant à sa périphérie. Les Tau entrèrent d'abord en contact avec des libres capitaines, des pirates et des colonies isolées qui aboutirent à des accords commerciaux, ainsi qu'à des affrontements occasionnels. Finalement, la caste de l'eau comprit que ces humains étaient des rebuts d'un empire galactique d'une taille inimaginable, et furent en fin de compte annexés. Par la suite, ils rencontrèrent des mondes sous influence impériale, et les dirigeants des différentes castes débattirent de la conduite à adopter, dont la décision finale revint aux éthérés. Pour certains membres du Haut Conseil, l'Impérium était si puissant qu'une agression ne pourrait mener qu'à un conflit que les Tau ne pouvaient espérer remporter. Les chefs de la caste du feu étaient en faveur de la guerre. Cependant, Onva, le bras droit de l'éthéré suprême Onwei, opta pour une autre approche. La caste de l'eau reçut pour mission d'infiltrer les mondes fidèles à l'Impérium, en particulier les cours des gouverneurs planétaires. Au fil du temps, plusieurs planètes impériales commencèrent à commercer avec les Tau plutôt qu'entre eux. Les marchandises xéno, notamment les technologies très prisées de la caste de la Terre, inondèrent les marchés, ouvertement en violation de la loi impériale. Selon le plan d'Onva, lorsque ces mondes furent jugés prêts à se rebeller, les émissaires les encouragèrent à s'émanciper, tombant ainsi sous leur influence. En 731.41, le commandeur Purtide fut envoyé dans le golfe de Damoclès pour inspecter les nouvelles colonies avant de prendre sa retraite. Malheureusement, lors d'un contrôle de routine, Purtide fut blessé par un raid et perdit l'usage de ses jambes. En raison de sa mobilité réduite, le chef militaire passa ses dernières années au sommet du mont Kanji sur Dalit, où il fut maintenu en vie pendant plusieurs décennies. Durant ce temps, il compila son expérience et sa sagesse pour les générations futures, et seuls les étudiants qui obtenaient des scores parfaits dans les académies de la caste du feu pouvaient recevoir son enseignement. Grâce à la technologie holographique, cette tradition se perpétue de nos jours. Il est cependant important de noter qu'il ne s'agit pas simplement d'enregistrement d'images, mais d'une projection d'une intelligence artificielle qui pense, répond et médite. Malgré tous ses efforts, que ce soit de son vivant ou sous sa forme actuelle, peu voire aucun des élèves de Purtide ne parvient à saisir pleinement la profondeur équilibrée de ses doctrines. En 733.41, l'un des conflits majeurs de cette sphère d'expansion éclata sur le monde récemment colonisé d'Arkunasha. Affrontant une fois de plus les orques, cette campagne eut des répercussions déterminantes sur le destin du protégé de Purtide, le commandeur Farsight. Malgré les déserts recouvrant la planète Arkunasha et la faible concentration en oxygène de son atmosphère, de nombreux colons de l'Empire Tau réussirent à s'y établir grâce au travail acharné des scientifiques et des ingénieurs de la caste de la Terre. De cette manière, deux chaînes de biodômes en forme de collier furent construites à proximité des régions les plus tempérées, chacune à une distance équivalente de l'équateur. Vu de l'orbite, le monde apparaissait comme un globe rouge sang, entouré de deux rangées de lumière bioluminescente émanant des biodômes qui pulsaient d'un blanc bleuté. Lors des premières expéditions à la surface, la caste de la Terre fit une découverte troublante.
En cherchant à déterminer l'origine des déserts d'oxyde, ils constatèrent que leur composition métallique et la provenance des différentes particules variaient considérablement. Ces observations conduisirent à la conclusion troublante que ce monde avait été entièrement recouvert de structures métalliques qui avaient depuis longtemps été réduites en poussière. Les résidus d'oxyde étaient si épais qu'il était évident que cette ancienne civilisation possédait plusieurs villes artificielles de la taille d'une chaîne de montagnes. Les théories se multipliaient au sein de la caste de la Terre, alimentées par leur ignorance quant à la cause de cette catastrophe. De ce fait, ils commençaient à entrevoir une force dévastatrice d'une magnitude sans précédent, dont l'origine leur restait inconnue, et ce n'est que bien plus tard qu'ils comprendront qu'il s'agissait ici de l'impérium de l'humanité. Les colons installés sur la planète firent également une découverte inquiétante. Les déserts étaient régulièrement balayés par des tempêtes de rouille d'une force inouïe. Quiconque se retrouvait pris au sein de ces tempêtes disparaissait complètement, bien que dans certains cas, les cadavres des victimes réapparaissaient à des centaines de kilomètres. L'intensité de ces phénomènes était telle que même les exoarmures et les véhicules légers comme le TX-4 y étaient vulnérables. Les moteurs s'enrayaient et dysfonctionnaient, les transports antigraves étaient projetés dans les dunes, les détecteurs tombaient en panne et la précision des armes se réduisait à une portée presque nulle. Néanmoins, ce qui était le plus étrange dans ces manifestations, c'est que les tornades qui rôdaient autour d'elles se déplaçaient parfois de façon imprévisible, surtout si un être vivant passait à proximité. Afin d'éviter la panique, les éthérés interdirent l'utilisation des termes tempête fantôme et démon de la rouille. De plus, ils déclarèrent que l'idée que les déserts soient hantés par leurs anciens habitants était indigne d'une race aussi avancée que la leur. Ils reconnurent toutefois que ces phénomènes paraissaient mystérieux, mais cela était simplement dû à leur compréhension limitée de l'écosystème de la planète. Et ils étaient certains qu'une solution ne tarderait pas à être trouvée grâce aux efforts de la caste de la Terre. Finalement, la population apprit à contourner les tempêtes, et les histoires qui les entouraient disparurent peu à peu. Ces épreuves firent naître un esprit de persévérance chez les colons d'Arkunasha, un trait qui leur serait particulièrement utile dans le futur. La WAGDOC était dirigée par Tuf Joe, un boss de guerre qui fut autrefois un médico au service d'un boss dénommé Drogbag. Pendant des années, Drogbag ne remarqua pas que chaque fois qu'il se réveillait après une opération effectuée par son médico, ce dernier devenait de plus en plus imposant, tandis que lui-même perdait en stature. Cependant, un jour, un Gretchen brutalisé par Tuf Joe vint trouver Drogbag et lui fit remarquer cette évolution. Face à cette trahison, il provoqua alors en défi son médico, mais fut mis en pièces par ce dernier, qui devint ainsi le nouveau boss. C'est ainsi que naquit une WAG très inhabituelle. Les médicaux des clans et tribus ralliés par Tuf Joe furent traités comme des rois, tandis que le reste des orques devait subir au moins une modification cybernétique lors d'une opération au cours de laquelle dents et armes disparaissaient fréquemment. De ce fait, Tuf Joe et ses confrères finirent par contrôler la quasi-totalité des richesses et des équipements de leur bande de guerre. L'influence du boss de guerre s'étendit rapidement, et à bord de leurs astéroïdes transformés en vaisseaux, la WAG se dirigea vers une firewarp que les orques appelaient le gros truc tourbillonnant, dans l'espoir d'envahir et de détruire tout ce qui se trouvait au-delà de celle-ci. Après avoir traversé la faille, la WAGDOC apparut aux abords du système d'Arkunasha. Tout commença lors d'un équinoxe, lorsque d'étranges tempêtes solaires émergèrent et projetèrent des symboles mystérieux dans le ciel. Une fois que les turbulences se calmèrent, la caste de la Terre réalisa que quelque chose d'inexplicable se passait. Malgré les vérifications et recalibrages répétés de leurs instruments, le constat était formel. Des centaines de signatures énergétiques se déplaçaient à l'est du système. Ce qui était encore plus préoccupant, c'est que chacune de ces signatures se dirigeait droit vers Arkunasha, incitant les éthérés à émettre un message d'urgence à l'ensemble de l'Empire Tau face à cette menace imminente. Quelques semaines plus tard, la planète fut plongée dans une guerre à grande échelle, alors que les orques s'écrasaient à la surface à bord de gigantesques astéroïdes transformés en forteresses ambulantes. La caste de la Terre était habituée à neutraliser et détruire les flottes conventionnelles avant qu'elles n'atteignent l'orbite, mais l'armada des peaux vertes était tout sauf conventionnelle. Même les puissants canons rails lourds qui se dressaient sur les biodomes s'avéraient presque inutiles face à leur corps rocheux et métallique. Des vaisseaux orques tombaient sans cesse du ciel pour s'échouer dans les déserts, un événement que les Tau appelèrent Goroka, la grêle de la mort.
Les cadres de chasse furent déployés sur chaque zone d'atterrissage, mais à chaque fois les peaux vertes avaient déjà disparu des décombres. Lorsque le commandeur Shaw et sa flotte pénétrèrent dans le système d'Arkunasha, il fut surpris de constater l'absence totale de vaisseaux orques, pas la moindre station de surveillance. Ayant une connaissance approfondie de la mentalité des orques, Osho fut néanmoins frappé par l'arrogance de son adversaire, qui semblait trop absorbé dans son attaque terrestre pour se soucier de l'éventualité de renfort. Une fois en orbite autour de la planète, il réalisa que celle-ci était pratiquement envahie. Mis à part quelques forces d'intervention mobile basées dans les déserts, la majeure partie des troupes d'Arkunasha avait été anéantie lors d'une série d'affrontements désastreux. La population s'était retranchée dans les biodômes, les orques n'ayant pas trouvé les moyens de percer leur blindage. Encerclés de toutes parts, les habitants étaient toutefois en danger, les ressources des habitats s'amenuisaient et les effectifs de l'armée étaient insuffisants pour repousser les peaux vertes. Le commandeur Shaw avait été minutieusement informé de la situation par les civils piégés à l'intérieur des biodômes, ce qui lui avait permis de préparer ses plans. Les observations de la caste de l'air indiquaient une augmentation constante du nombre de bandes ennemies errant dans les déserts depuis le début de l'invasion. Plus étrange, les balayages effectués par les drones confirmèrent un fait que les éthérés avaient d'abord qualifié de rumeur alarmiste. Les orques qui testaient les défenses des biodômes grandissaient progressivement. Jusqu'à présent, toutes les tentatives de la caste de l'eau de communiquer ou de négocier avaient échoué, laissant ses membres dans l'impasse quant à la meilleure stratégie à adopter. Avant la bataille, Osho médita et se remémora ses milliers d'heures passées dans des simulateurs, tout en savourant l'idée de l'approche du combat et de risquer une nouvelle fois sa vie pour le bien suprême. Bien que l'Empire Tau ait déjà affronté des civilisations xéno-entières et en soit sorti vainqueur, la caste du feu avait la plupart du temps toujours eu l'avantage numérique. Leurs simulations d'entraînement incluaient systématiquement des scénarios où les Tau étaient surpassés en nombre, parfois jusqu'à 10 contre 1. Cependant, dans cette situation, les ennemis se comptaient par milliards, les données orbitales indiquant que les orques surclassaient les forces de contre-invasion à près de 400 contre 1. Lorsque ces informations furent communiquées à Osho pendant sa descente, il déclara que ses cadres de chasse devraient faire appel davantage à leurs capacités intellectuelles qu'à leurs armes. Ses officiers lui demandèrent de préciser ses intentions, et pour seule réponse, il décrocha une épée ornementale et brisa la lame en deux contre son trône de commandement. Les premiers combats permirent de restaurer les voies d'approvisionnement, de tester les défenses et les capacités des peaux vertes. Osho avait établi son quartier général mobile dans les dunes, une sorte de centre de commandement en forme de disque alimenté par un moteur antigrave se déplaçant constamment. Pour sonder l'état d'esprit de ses adversaires avant de poursuivre sa campagne, il envoya ses cadres de chasse attaquer et éliminer à longue distance suffisamment d'orques pour plonger leurs bandes dispersées dans la panique. Presque sans exception, c'était le plus grand orque de chaque groupe qui rétablissait l'ordre. Osho constata également qu'à chaque fois que ses troupes frappaient puis se retiraient, des affrontements éclataient immédiatement entre eux, les peaux vertes utilisant n'importe quel prétexte pour se battre. Par la suite, pendant plus d'un an, se déroula la période nommée la Grande Purge. Osho ordonna à ses contingents stealth et ses escouades exo-armures de patrouiller à travers les dunes, de localiser et de supprimer les plus gros orques de chaque bande par des tirs précis avant de disparaître. Le reste des orques entrait inévitablement dans une frénésie meurtrière, cherchant leurs agresseurs en vain avant de sombrer dans des combats internes pour déterminer qui prendrait le commandement, provoquant par la même occasion de nombreux morts. Au fur et à mesure que les drones de surveillance transmettaient leurs rapports sur les déplacements, postes avancés et bases des peaux vertes, Osho regardait chaque enregistrement avec fascination. En peu de temps, il déchiffra à la fois les glyphes que les orques utilisaient comme écriture et leur langue. Ainsi, il ne tarda pas à prédire à ses subordonnés ce qu'allait se passer dans chaque holo vidéo. Ses officiers plaisantaient en disant qu'il avait déjà dû visionner les séquences, mais il savait parfaitement que leur commandant avait simplement appris à bien comprendre son ennemi. De ce fait, son état-major le surnomma bientôt Shova, ou clairvoyant. Les informations tirées de ces images furent lentement intégrées à la doctrine militaire de la caste du feu.
Chaque fois que les glyphes orques pour boss, mécano ou médico apparaissaient sur un véhicule, les cadres de chasse se concentraient sur sa destruction avec des tirs groupés de chars à Mored et d'exo-armures XV-88. Bien que les taux ne puissent prononcer les syllabes de la langue orque, les auxiliaires humains, les Goevesa, diffusaient des messages audio de défis et d'insultes sur leur réseau de communication, semant la discorde et provoquant des conflits entre les différents clans et tribus. Les tactiques d'Oshova ayant suffisamment détourné l'attention des peaux vertes, cela permit à ses forces d'apporter de la nourriture et de l'eau à la population piégée dans les biodômes. De plus, un nombre important de guerriers de feu d'Arkunasha renforça ses effectifs. Bien que la plupart des officiers du commandement central se félicitaient de leur bonne gestion de cette guerre, Oshova n'était pas satisfait de leur progrès, car le nombre d'orques restait extrêmement élevé et il savait que le conflit était loin d'être terminé. Les tribus les plus organisées avaient commencé à récupérer systématiquement les systèmes de communication, les armes et les armures des taux tombés au combat. À chaque fois qu'un véhicule taux était endommagé, les mécanos le réparaient tout en remplaçant son moteur et son armement. Ces derniers avaient également ordonné à leurs esclaves de creuser profondément dans les dunes d'oxyde pour déterrer de la ferraille. Par conséquent, de plus en plus de leurs blindés étaient dotés d'un blindage composé de ce matériau, voire entièrement construit à partir de celui-ci, leur conférant un camouflage très efficace leur permettant de se fondre dans l'environnement. Plus grave encore, les attaques surprises des peaux vertes étaient en augmentation. La caste de l'air découvrit rapidement pourquoi. Les orques vétérans qui combattaient depuis le début de l'invasion avaient développé une peau suffisamment épaisse pour se protéger des effets corrosifs des tempêtes de rouille. Ces orques se regroupaient en bandes, se laissaient emporter par les tempêtes, puis marchaient ensuite en toute sécurité dans l'œil du cyclone, évitant de cette manière d'être attaqués par les cadres de chasse. Et une fois que l'orage passait sur une basto, ils surgissaient du tumulte et la prenaient d'assaut. Le commandeur Farsight s'attendait à ce que ses adversaires soient pleins de ressources, mais il n'avait pas réfléchi aux avantages offerts par leur étrange physiologie. En effet, le nombre d'orques ne cessait d'augmenter au lieu de diminuer lentement. Oshova et les éthérés se penchèrent sur la question de la reproduction des orques, et Farsight chercha conseil auprès du jeune génie de la caste de la Terre, Ovesa. Ce dernier pensait, à juste titre, que les orques avaient une composante fongique dans leur patrimoine génétique, et il affirma que les spores qu'ils répandaient continuellement donnaient à terme naissance à des peaux vertes dont le niveau technologique était plus faible, mais qui ne demandaient qu'à se battre. Lorsque la nouvelle de l'augmentation des effectifs ennemis se propagea, cela fit l'effet d'une bombe sur le moral des troupes. Les éthérés, quant à eux, informèrent Farsight qu'il était impossible d'acheminer davantage de renforts, et qu'il devait remporter la victoire avec les contingents qu'il avait sous ses ordres. Le moral étant sur le point de s'effondrer, le commandeur fut contraint de mettre fin à sa stratégie d'assassinat et se concentra sur ses propres forces. Depuis le début de la guerre, Oshova s'était déployé en première ligne à maintes reprises, arborant sa puissante exo-armure Crysis maculée du sang des chefs orques. Port Roquet, le représentant de la caste de l'eau qui l'accompagnait, avait su tirer profit de ses victoires en les diffusant sous forme de propagande dans tous les biodômes et bases mobiles. Toutefois, ce n'était plus suffisant pour maintenir le moral. Après avoir longuement discuté avec Port Roquet, le commandeur en vint à la conclusion que l'une des principales armes de son adversaire était son esprit guerrier. En effet, les orques ne se préoccupaient guère des questions d'angoisse ou de paranoïa, consacrant toute leur énergie à la recherche du combat. Les armées peaux vertes dépensaient un grand nombre de vies pour poursuivre les taux partout où ils étaient repérés, même si cela signifiait subir plus de 90% de pertes dans le processus, car les 10 derniers restants étaient capables de les écraser s'ils les atteignaient et engager l'affrontement au corps à corps. Alors que la guerre s'éternisait et que les progrès réalisés par ses forces se dégradaient de plus en plus, Oshova finalisa le livre de la bête et le distribua à tous les sabres de feu, chassouis et mentors croûtes. Son contenu était impressionnant sur le plan tactique. Il apprenait à chaque soldat à penser comme un orque, à assimiler leur langue et surtout leur montrer que leur chef comprenait l'ennemi et qu'il pouvait encore l'emporter. Durant les années qui suivirent, les taux modifièrent leur approche du conflit.
Si auparavant ils employaient des stratégies d'attaque et de repli, également appelées Konyon, désormais les guerriers de feu et exo-armure respectaient les préceptes du monde K, en engageant le combat dès que les escouades de cibleurs avaient repéré une cible. Et lorsque les orques lançaient une de leurs charges, les taux maintenaient leur position, s'agenouillaient et déployaient un redoutable réseau de tirs de soutien qui se superposait. Si des peaux vertes parvenaient à passer à travers ce déluge de projectiles, ils étaient aveuglés et désorientés par les grenades photoniques, puis abattus. Bien que cette tactique fût dangereuse, celle-ci donna un second souffle à la caste du feu. Nombre des disciples d'Oshova l'adoptèrent avec ferveur, et parmi eux le commandeur Brightsword se démarqua par son ardeur combative. Grâce à l'ambassadeur d'or, les images de Brightsword et de ses cadres repoussant un assaut orc au corps à corps se propagèrent largement, suscitant l'admiration des soldats et l'émerveillement des civils. De son côté, Farsight a tiré des colonnes de blindés dans les réseaux de canyons abyratiques, puis les a menés dans des passages de plus en plus étroits avant d'ordonner la destruction des véhicules à chaque extrémité de la colonne, massacrant par la suite les peaux vertes pris au piège. Dans ce même réseau, les piranhas faisaient la course avec les Dakajet et coptères, jusqu'à ce que, un par un, les pilotes orques s'écrasent contre les parois rocheuses. Les croûtes se nourrissaient quotidiennement de la chair des orques des dunes, rendant leur propre peau plus résistante aux tempêtes. Accompagnés de leurs bêtes de guerre, dans des Knarloks, ils parcouraient les déserts et traquaient les nobs qui se cachaient au cœur même de ces phénomènes. Les éclaireurs peaux vertes de chaque bande étaient repérés et tués à leur tour par des équipes stealth, laissant leurs semblables errer dans les déserts jusqu'à ce qu'ils se retournent les uns contre les autres par frustration. Les enseignements du livre de la bête de Farsight faisaient des ravages parmi les rangs ennemis, et ainsi lentement mais sûrement, la victoire se rapprochait. Pendant cette période de succès, les civils furent évacués et transportés vers les forteresses naturelles des hauts plateaux pour assurer leur sécurité. Les cadres de chasse poursuivirent leur mission, dispersant et éradiquant les bandes peaux vertes qui parcouraient encore les dunes grâce à une série de frappes Mondka habilement exécutées. Cependant, en dépit du fait que la WAG avait été réduite à moins d'un quart de sa taille, les déserts étaient toujours infestés, notamment en raison du travail impressionnant de leurs médicaux. Néanmoins, ce fut l'innovation des mécanos qui mit à l'épreuve une nouvelle fois les forces d'Oshova. La Gorge des Boules, nommée ainsi après un incident cannibale entre deux clans rivaux de Krutz, était un vaste canyon à ciel ouvert. Une immense horde peau verte tenta de franchir ce passage pour s'abattre sur les biodômes qui se situaient au-delà. Au milieu d'eux se trouvait un marcheur géant armé d'une foreuse conçue pour percer les blindages des biodômes. Dès que la présence de la colonne ennemie fut repérée et l'évaluation de la menace réalisée, Farsight dirigea ses escouades pour l'harceler depuis les hauteurs. Tandis que les tirs pleuvaient, des champs de force apparurent parmi les rangs des orques et absorbèrent leurs projectiles, y compris ceux des fusils rails lourds des exo-armures XV-88. La bataille qui s'ensuivit fut éprouvante pour les taux, car bien qu'ils ne pouvaient pas laisser sans défense les biodômes, leurs armes étaient pratiquement inutiles face aux champs de force. Le jeune et téméraire commandeur Brightsword comprit rapidement que la seule façon de contourner cette protection était d'y pénétrer. Il mena alors une attaque rapprochée avec ses équipes d'exo-armure, exactement là où les orques voulaient qu'ils soient. Ainsi débuta le massacre de la Gorge des Ghouls, l'escarmouche la plus désastreuse de toute la guerre d'Arkunasha. A chaque fois que les taux traversaient un champ de force pour attaquer les orques, ces derniers se précipitaient sur eux. Des combats acharnés à courte portée éclatèrent tout le long de la gorge, le terrain ne permettant pas aux forces taux d'utiliser les tactiques du Konyon. Malgré une frappe audacieuse avec sa garde personnelle qui immobilisa le marcheur, Farsight fut contraint d'ordonner à ses cadres de se replier avant que leur perte ne devienne insoutenable. À contre-cœur, le commandeur se retira ensuite dans son quartier général mobile pour reconsidérer sa stratégie. Lors de sa réunion avec ses éthérés, Farsight demanda une fois de plus respectueusement des renforts depuis Viorla, affirmant que le sort de la guerre en dépendait. En effet, la situation était telle qu'un assaut décisif sur des positions clés pourrait faire basculer toute la campagne en leur faveur. Après un long silence, les éthérés l'avertirent qu'un vaisseau en provenance de Viorla était actuellement en route, sans fournir plus de détails. Lorsque l'unique véhicule de transport orbital Orca descendit vers la surface, Oshova, ses plus proches conseillers et officiers attendaient sa précieuse cargaison au sommet du plateau d'Arcap.
Quand il se posa et que la rampe commença à s'ouvrir, l'assistance promit en sortit, deux gardes d'honneur et un seul éthéré. À la vue de ces renforts, Farsight s'efforça de réprimer sa surprise et sa frustration. Même si la présence d'un éthéré était bon pour le moral, il ne pouvait pas être considéré comme un atout, encore moins en comparaison des cadres de chasse qu'il espérait voir arriver. Consterné, il se tourna vers ses propres éthérés, mais heureusement se retint de parler, ce qui, dans le cas contraire, aurait pu lui apporter des problèmes. Le nouvel arrivant se présenta sous le nom d'Onshi, un vétéran de nombreuses batailles comme en attestaient ses cicatrices et ses déplacements. Comme le voulait le protocole, Oshova s'inclina lorsqu'il s'approcha de lui, cependant ses mouvements étaient raides. À travers eux, Onshi comprit que le commandeur était déçu et en colère. Celui-ci lui expliqua calmement et patiemment que le Haut Conseil des Éthérés, guidé par la sagesse d'Onva, avait besoin de ses précieux talents ailleurs. Par la suite, il lui annonça qu'au cours des prochaines années, la caste du feu se retirerait entièrement d'Arkunasha, emmenant avec elle le maximum de colons, une tâche qu'il supervisera. Le plateau sur lequel ils se tenaient sera leur forteresse, et ils la protégeront au péril de leur vie jusqu'à ce que tous les taux aient quitté Arkunasha au nom du bien suprême. Après cette nouvelle, Farsight acquiesça sèchement de la tête et s'inclina de nouveau en signe d'obéissance. Néanmoins, au fond de son âme, il ressentit une grande confusion, car il ne comprenait pas comment était-il possible qu'ils abandonnent la planète alors que la victoire était si proche. Quoi qu'il en soit, un éthéré de haut rang avait transmis les ordres du conseil et il se devait d'y obéir. Pendant l'année qui suivit, Farsight appliqua à la lettre les directives qu'on lui avait données, regroupant les civils dans des biodômes construits à la hâte au sommet du plateau d'Argap et défendant ces derniers avec toutes les armes et stratégies à sa disposition. Bien qu'il ait perdu des milliers de soldats au cours de cette opération, il parvint à diminuer les effectifs de la WAG qui avaient naturellement convergé vers leur position. En effet, les orques avaient encerclé le plateau et se jetaient régulièrement sur leur défense, à un tel point qu'avec le temps, la WAG fut réduite à moins de 1% de sa force d'origine. Oshova continua à attaquer leur structure de commandement, éliminant en priorité les mécanos, les médicaux et les boss. Un grand nombre de ses élèves, dont Brightsword, réclamaient vengeance pour ceux qui étaient tombés au combat et proposaient de lancer une ultime offensive pour exterminer l'envahisseur une fois pour toutes avant leur départ. Toutefois, il refusa, déclarant avec amertume que la volonté des éthérés devait être respectée, quelles que soient les circonstances ou leurs opinions. Et c'est ainsi que les colons furent évacués, et la caste du feu avec eux. Observant le monde pour lequel des milliers de ses guerriers s'étaient battus et étaient morts depuis son vaisseau amiral, Farsight le regarda s'éloigner de plus en plus jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un petit point dans l'immensité de la galaxie. Un an plus tard, Oshova retourna sur Arkunasha à la tête d'une nouvelle armée. Les cadres de chasse nettoyèrent et reconquirent la planète en moins d'un an, remportant ainsi la victoire après presque 10 ans de conflit. Après cela, les ingénieurs de la caste de la Terre réimplantèrent les biodômes afin de permettre le retour des colons. Cependant, Farsight ne put assister à la renaissance de ce monde, car l'Empire Tau avait besoin de ses talents suite à l'attaque d'un nouvel adversaire redoutable, l'Imperium de l'Humanité. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster un commentaire sous la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas le pouce bleu et à la partager sur les réseaux sociaux. Merci aux tipeurs pour leur soutien à la chaîne, et si vous avez également envie de la soutenir, un lien est disponible dans la description de la vidéo. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le lore de Warhammer 40 000.